Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Kessia. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon, là, vous êtes aujourd'hui, nous mardi le 21 novembre. Et moi, je commence mon vlog aujourd'hui. Je pense que ça, c'est maintenant pour faire un weekly vlog. Parce qu'il me pensait dimanche, il me pensait petit. Enfin, on ne sait pas. Mais bon, alors là, aujourd'hui, je vais au rendez-vous, je vais parler avec ma maman. Ok? Je vais parler avec ma maman, que docteur. Et aujourd'hui, moi aussi, je vais faire une petite consultation, genre santé générale. Parce qu'il m'a dit toi, du monde. Enfin, je pense pas que je connais, mais aujourd'hui, puis j'ai eu du monde anémie. Ok? Donc, 10 ans. Donc du coup là des fois quand même j'ai palpitation, donc là aujourd'hui nous va faire une petite consultation. Donc aujourd'hui là en fait là à celui qui allait par le 4 la 3 et demi ou ouais, 3 et demi 85 pas là. Donc là moi pas passe ça comme non mon figure donc dans le taux pour cause vite vite dans le taux on passe tout ça là. Donc du coup on y va, let's go. Bon là vous êtes venu fait sortir, ok, chez le docteur, bien passé, consulté, tout. Donc du coup là, le taux devant là-bas. Donc là, nous faisons pharmacie, nous faisons médecine, nos mamans, après nous faisons la maison. Donc aujourd'hui rien de spécial, que le docteur et la maison, c'est tout. Bon, là vous êtes dans le parking et commentaire. La moi je vous qui consulte à chaque fois, puis il passe bien, puis il passe correct pour Angèle étant expliqué un peu. Donc du coup, demain on va faire une prise du sang, c'est demain, demain quand matin bonnet, on va finir aller. Et là, ben, voilà. En tout cas, consultation, puis il passe bien, puis il passe correct. Donc là, nous allons passer une pharmacie. Pour acheter mes signes mon maman, mais je peux réformer ici là, ouvrir parce qu'il y a l'eau 5 là. Ouais, il y a l'eau 5 ici là. Ah, peut-être il y a que Maïté, ici. Voilà. Pour moi ça. Marché Noël. Mon copain. Marché Noël. Non allez m'a fait frais. Venez aller encore faire frais. Toi maman connaît. Va payer toi là. Que tu vas aussi. T'es quand même aussi t'es sûr avec ton petit lit hein. Maman, tu veux essayer? Tu veux essayer? Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui mercredi, ok. Donc là, moi, pour trop quel temps, causer, expliquer, ben, pas tout ça. Beaucoup passe mon comme d'habitude, je me passe dans le dos. Donc là, aujourd'hui, moi, je connais, on va faire mon
test prise de sang. Ok, mon père les a dit, ben le nevier, excusez-moi, nevier pile, mon bien sorti parce qu'il prend 30 minutes pour arriver là-bas. Donc, nous rattrape tout ça là dans le tour. Tout ouvert un peu, qui peut passer, qui peut passer. En tout cas, ce qui m'a quand même me stressé au fait. Mon père m'a vraiment stressé parce qu'il m'a fait zégula, mon pas trop fan. Mais du coup, voilà, let's go, on allons ensemble. Oui, Marie-Pierre, stressé. Donc. Vous me stressez, let's go! Bon, là vous êtes 16h29, on va être un long moment depuis mon livre. Depuis quand il y a une émission en petit guetté, c'est 4 mariages, une lune de miel, vous pensez qu'ils ont tout comme ça. Donc, je vais attendre ça avec impatience parce que je n'ai plus envie qu'il puisse arriver dans le prochain épisode. Final, c'est vendredi, mais il y a budget de man bout de bout, toujours, qui m'ont raté tout ça là. Donc, du coup, j'espère que tout passe bien. Que tout passe bien, qui m'ont fait causer. J'espère qu'il m'ont pas gagné, ouais, j'espère qu'il m'ont pas gagné, m'ont fait surprise dans cet épisode là, dans l'émission là, parce qu'il m'ont gagné Marie Larase. Dans sa émission 4 mariages, une lune de miel là, parce que toujours bizarre et tourel là-dedans. Toujours bizarre et du monde qui mauvais stratège, c'est pas il y a encore. Il y a du monde qui fait stratégie là-dedans, il y a du monde mauvais, mais logué, zalou. Enfin bref, on verra. Donc du coup là, je vais pas attendre d'aller là-bas pour couponner. L'émission a commencé 5h, donc du coup, voilà. Voilà un peu, vous pouvez guetter les gens, parce qu'elle va lire, pour manger. Super! Désolée si on commence à vlogger aujourd'hui comme ça, c'est ce qui m'a bangé les temps. So, avant, tu peux faire live. Donc, du coup, là, on arrive futur. Voilà.
stéthoscope. J'ai une soeur ici là qui est soprano, peut faire concert. Donc du coup, mon béton c'est soprano. Et là, nous perdons tout lit. C'est la première fois que je me viens à un concert ici. J'espérais que tu passes bien. En tout cas, fais un mari fraiseux. Marie fraiseux derrière moi. Voilà. Donc là, quand même un peu nouveau. Je ne sais pas vous trouver, mais bon. Maman, je te retourne avec moi ensemble. Je vais aller get soprano. Donc c'est rentré, on est à l'intérieur. Merci. Vous êtes en principe placé au même endroit. C'est 3J. On va regarder. Ah oui, grand. Bonsoir. 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 Alors, c'est 4 à 10. Là, vous avez mes pour manger parce qu'il m'a payé ma refaire. Du coup, nous prenons jambon, sandwich au jambon beurre, boca et l'orangina. Voilà. Et du coup, il m'a payé manger parce qu'il m'a payé ma refaire. Voilà, voilà. Bonsoir, Poitiers! Ça va pas du tout. C'est jeudi, normalement c'est soirée étudiante. Normalement on a de l'énergie. Attends, on va se le refaire, on rewind. Bonsoir Poitiers. Hey, ça c'est de l'entrée. Comment ça va tout le monde? On est en forme? On a envie d'en découdre ce soir? Ok, il y en a deux, trois, ce sont des coudres. Ok, salut à tous, enchanté, je m'appelle Otis Enjoy, on peut se retrouver sur les réseaux. Salut toi là-bas, bonjour, coucou. Je suis très content d'être là, salut les copines, les danseuses, elles sont là. J'espère que vous allez bien, on est parti ce soir. Comment ça va les amis? J'espère que vous allez bien, moi je suis très très content d'être là ce soir avec vous. Je suis même honoré de partager ce moment unique avec vous. Ce soir, il y a un artiste qui va venir ici, sur cette scène. Il s'appelle comment? Alors, je me fais un petit peu vieux. Il s'appelle comment? Sopra! 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 Pas mal! On a des gens dans les gradins. Regardez-moi ça, oh, génial. Alors, on va se faire un petit test. Qui vient pour la première fois à un concert? Ah ouais, d'accord, ok, pas mal. De chanter avec eux. DJ Mars, balance le son, s'il te plaît. Vous connaissez? Je vais vous entendre. Tu résonnes pas trop comme les autres. Tu n'irais pas trop dans les normes.
Yes. Est-ce ma faute si je fais les choses quand mon cœur me donne l'or? Chante bien là. Sans les souffrir sur les bancs de l'école de cette différence. Les murmures que porte mon dos. Je vous entends pas. Ou parfois fait saigner mon cœur. C'est mieux. Mais je sais que c'est un cadeau de ne pas faire partie des suiveurs. J'en ai souffert sur les bancs de l'école de cette puissance. Car je cours à contre-courant. Comment ça va? C'est comment les prénoms? Parlez dans le micro, parlez dans le micro. Le prénom? Loélie. Loélie et? Déborah. Et Déborah. Je vais vous demander, s'il vous plaît, d'applaudir comme il se doit, Loélie. J'adore son style. Notre professionnel du tchèque. Vous avez vu la chorégraphie? Vous connaissez la chorégraphie? Ouais, ok. Mais on va le bosser. Venez avec moi les filles, juste ici. Les paroles seront là. À vous de faire le show. Et je compte sur vous pour être avec elle. DJ Mars, balance le son. C'est ça. Allez, on se réveille, on se réveille. Il est temps d'aller pousser, on a des rêves à soulever. Le poids. On balance qu'un trop la gueule, il va falloir éliminer. On s'ouvrit, on jette le pot, on va se faire pour te choquer. Ne t'arrête pas, on t'amène, mais plutôt qu'on prenne. Attention. Toujours recommencer, interdit d'abandonner. Hey, 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 hey.
ancien psychiatre soprano qui a vendu des millions d'albums à remplir les stades de France. Le stade de France. Il a réuni 85 000 fans. C'était donc un concert événement. Une première dans l'histoire de la musique française. Dans quelques instants, nous devrions, en exclusivité mondiale, réussir à établir le contact avec l'intérieur du vaisseau au moment où le frégate va entrer dans l'atmosphère. Moment toujours très délicat. Kamel, vous avez à vos côtés des spectateurs impatients. Oui, Anne-Claire, un moment très délicat, vous l'avez très bien dit, mais un moment très attendu ce soir à Poitiers. Alors écoutez, c'est simple, j'ai Élise avec moi ce soir et je pense qu'Élise est venue avec ses copines et elles ont un petit mot pour toi, Soprano. À toi, Élise. Coucou, Soprano, on a trop trop hâte de te voir, ça fait trop longtemps qu'on attend ce moment. Fais-nous kiffer, fais-nous danser, fais-nous chanter. À tout de suite. Je pense qu'elle a tout dit, Élise, du bruit, s'il vous plaît. Écoutez, justement, ça tombe très bien parce que moi, de mon côté, j'ai toute une famille. J'ai la famille Pain, ils sont très grands fans de Soprano. La famille Pain, comment ça va? Tout va bien, ok. Écoute, j'ai une petite question. C'est quoi ta chanson préférée de Soprano? Je suis en feu. Tu es en feu, ça se voit, tu es en feu. Madame? Roule. Roule, et monsieur? À la bien. Ah, à la bien, à l'ancienne. Ça fait plaisir. Est-ce que tu veux dire un petit mot à Soprano? Il est là-haut, il va bientôt descendre. Il t'écoute, vas-y. Est-ce que j'aime bien cette chanson et qu'il est génial? Oh, est-ce que c'est pas mignon, Poitiers? Allez, vous en faire. Et vous, madame? Ah bah ça fait plaisir. Attention, et ben tu... Papa Pain, qui est très timide, allez-y. Oh, on kiffe. Allez-y la fosse, réveillez-vous. Alors ça va pas être très compliqué, très chers collègues. Regardez, ces cadeaux, c'est pour vous. Moi j'ai Élise et ses copines, mais j'ai toute la fosse avec moi. Bien, je vous propose de regarder les images. Enfin, nous y sommes. L'équipe, on va revoir notre magnifique planète Terre. J'ai hâte de partager avec tout le monde le résultat de notre chasse aux étoiles. Ouais, franchement, il était temps. J'en peux plus de cette combinaison. Il fait au moins 1000 degrés dedans. Un petit truc en nous qui peut changer le sens du monde.
On veut voir tout le monde les bras en l'air. Je ne vous lâche pas ce soir. On va s'amuser un maximum, mais j'ai besoin de vous. Tout le monde les bras en l'air. Maman m'a dit la vie n'est pas facile, mais plus facile avec un grand sourire. Donc je souris quand j'ai mal à la vie. Quand maman m'a dit qu'il y a toujours plus beau dit, elle m'a dit donne ta tête à traverser. Vite vie comme une jeunesse infinie, tant toujours la même ou plus démunie. On veut pas pour qu'on soit nos réussites. M'a dit aussi, si tout est fragile, si tout s'écroule, tu reconstruis, c'est comme ça la vie. Oui, tout le monde est au paradis. On vit avec cette mélancolie, c'est comme ça la vie. Avec moi. Franchement, c'est difficile, surtout pour les avenirs, les générations qui arrivent. Mais on va continuer dans le positif et il y a des gens qui se battent tous les jours pour qu'on puisse avoir un quotidien meilleur. Donc j'aimerais, parce qu'il y en a beaucoup dans la salle, je vais venir dans la foule, vous checker. J'aimerais qu'on fasse une chanson ensemble pour leur dire merci pour tout ce qu'ils font tous les jours pour nous. J'espère qu'on va chanter cette chanson ensemble, j'arrive. Je viens dans le public, dans la fosse, pour vous dire merci. Mais j'ai besoin de vous, qu'on chante cette chanson ensemble, pour rendre hommage à tous nos héros du quotidien ce soir. Est-ce qu'on peut chanter cette chanson ensemble ou pas? Allez, on y va. Ça va? Avec moi. On ne se connaît pas, mais je voulais vous dire merci. Si vous saviez combien vous avez changé ma vie.
sans vraiment savoir, vous avez fait de la magie. Moi qui ne croyais plus en moi ni à l'avenir. Combien de fois ai-je voulu tout foutre en l'air? Je n'avais plus la force et l'envie d'aller faire ma guerre. Je n'avais plus le souffle pour faire tourner la roue. Jusqu'au jour où le destin vous a mis sur ma route. Tout le monde, oui, c'est vous qui m'avez aimé. Alors le refrain c'est: j'aurais aimé voyager à travers le temps. C'est très simple, avec moi. J'aurais aimé voyager. Encore une fois, ça fait: j'aurais aimé voyager. Tu sais, si j'avais eu le pouvoir de Hiro Nakamura, je serais parti revivre la naissance de Lenny et d'Inaya. J'aurais été à Sana, boycotter le décollage de la 310 de la Yémenia. J'aurais été voir mon grand-père une dernière fois, lui dire que je m'occupe de sa fille, qu'il ne s'inquiète pas. J'aurais été voir Martin Luther King appeler son discours, lui montrer la photo de Barack Obama. J'aurais été au temple d'Harlem, pousser Malcolm de la scène avant qu'une balle atteigne. J'aurais été dans la cellule de Mandela pour lui dire: j'ai le coup, tes idées seront président du Sud-Africa, amoureux de Lady Diana. J'aurais fait un gigantesque bouchon sous le pont de l'Allemagne. J'aurais été aux Bahamas, pas pour les vacances, mais pour vider la soute de l'avion d'Alia. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Le temps. Tout le monde avec moi, ça fait: j'aurais aimé voyager. Tu sais, si j'avais eu le pouvoir de Hiro Nakamura, j'aurais été au combat de Mohamed Ali à Kinshasa. Puis j'aurais été fêter l'indépendance de mes Comores dans les bras de mon grand-père avant sa mort. Puis un petit tour au Paris-Dakar en pleine savane pour boycotter les Nico de Daniel Balavoine. Moi qui aime les vérités de ceux qui portent les rouges, j'aurais été crever les pneus de la moto de Coluche. J'aurais été accueillir Mahomet à midi, puis aller voir la mer rouge, laisser passer Moïse. J'aurais été à la naissance du fils de Marie, 2 heures après faire la marche, tu sais, la belle cantine. J'aurais été m'asseoir auprès de Rosa Parks, puis à Woodstock, pour vivre un live de Jimi Hendrix. J'aurais été à l'anniversaire de la Motown, pour aller voir Michael nous faire le moonwalk. J'aurais été à New York, déclenché à 7 heures, une alerte à la bombe dans les deux tours. J'aurais été en Irak, apprendre aux journalistes à me viser avec leurs chaussures. J'aurais été en Afghanistan, jeter les caméras de la dernière interview du commandant Massoud. J'aurais été en Angola pour aller dire à l'équipe d'Adebayo d'aller prendre la route. J'aurais été à Clichy-sous-Bois, des proches de Crasco-Denel, à Mkezi et des Bounaris. J'aurais été chez Kunta Kinte ou sur Corée pour leur donner des fusils avant que les colons arrivent. J'aurais été voir les tirailleurs africains pour leur dire qu'on traite leurs enfants sans immigrés. J'aurais été en Autruche, j'aurais tout fait pour que les parents d'Adolf Hitler ne se rencontrent jamais. Même si j'avais eu le pouvoir de la Camorra. Que je dis bloc, pendant que vous êtes en train de danser, je veux voir tout le monde figé, un peu comme le jeu 1, 2, 3, sommets. Est-ce que vous pouvez faire ça ou pas? Là, vous me dites ça va, c'est facile ce que je dis. Non, parce que pendant que vous vous figez, j'aimerais voir les plus belles grimaces que vous pouvez me donner. Et maintenant, vous faites moins les malins. Il y en a, ils se sont levés, ils sont déjà prêts. Ah ouais. Le côté sacré, déjà, ils se sont levés, ils sont déjà prêts. Ils sont déjà prêts, le côté Geno, vous êtes prêts? Ah, il y en a, ils sont prêts. Ah, je vois, ils sont prêts, ils ont la rage comme au stade. Attention, on va essayer de motiver notre Camille nationale, tout le monde. Camille, transforme cette salle en salle de mer. Où sont les grimaces? Grimaces. Grimaces. Ah, et un petit sourire, c'est vrai, c'est presque une grimace. Ça va? Grimace, pas mal, pas mal. On dirait des sœurs jumelles avec nous. Non, des trios jumelles, là aussi. Ah, carrément, il y a quelqu'un qui a fait une grimace avec le visage de mon frère. Là-bas aussi, petite grimace. Mika, regarde la petite là. Elle est magnifique. Ça, c'est de la grimace, ça, c'est de la grimace. Ah, la destinée est douce de l'autre côté. Le côté Zan, on va voir. Attention, ici. Ici, il y a quelque chose, Mika. Regarde. Attention. Dès que je dis repos, tout le monde se remet à danser. Repos! Tout le monde est repos! Tout le monde est repos!
maintenant, on regarde un peu en haut. Regarde, lui, il est prêt sur le départ. Ah ouais, c'est chaud là, c'est voilà. Chaud. Voilà. Là, il y a des grimaces. De l'autre côté, ça tire la langue, ça tombe. Oh, la langue, elle va tomber jusqu'en Chine. De l'autre côté, il y a encore des signes, ça fait plaisir. Là-bas, regarde. Ah ouais, il y a des gens qui dorment, ils sont déjà comme ça. Attention, dès que je dis robot. Ah oui, j'en vois. Attention, robot! Danseurs, ils sont chauds, ils relèvent le défi. On va continuer à danser, mais là, cette fois, j'aimerais que vous fassiez du bruit pour accueillir nos danseurs. Faites du bruit pour les danseurs! On va les motiver, tout le monde les deux bras en l'air et on va taper des mains pour leur donner de la force. 1, 2, 1, 2, 3, on est les magnifique France, et je pense que vous êtes d'accord avec moi que c'est trop beau, c'est tellement beau. C'est pour ça que c'est important de toujours se rappeler d'où l'on vient, pour savoir où on va. Donc n'oubliez jamais vos racines, jamais, jamais. Tu sais, ah, yeah, ah.
malgré Obama, tes enfants sont toujours visés. Yeah. Au pays des droits de l'homme, de l'égalité, encore un jeune noir au sol, au journal télévisé. Je suis fatigué, je suis fatigué. Les fantômes du passé sont toujours d'actualité. Mon amour, mon amour, Africa, mon amour, je te vois pleurer. Des enfants du monde entier, Africa, mon amour, Africa, mon amour, j'ai le cœur blessé, car rien n'a vraiment changé. Le cœur et les yeux ouverts, j'aimerais vivre ce rêve où l'égalité n'est pas qu'un mot chez certains hommes de loi. Vivre ce rêve éveillé où je pourrais dire à mes quatre bébés que leur couleur de peau ne fera jamais de déproie. Mais je suis terrifié, je suis terrifié. Les horreurs du passé sont toujours d'actualité. Mon amour, Africa, mon amour, je te vois pleurer. Des enfants du monde entier, Africa, mon amour, Africa, mon amour, j'ai le cœur blessé, car rien n'a vraiment changé. Car ici, nous tous, nous venons de faire le 36-15 bonheur. Est-ce que vous êtes prêts à faire la fête avec nous ou pas? Alors, tout le monde est en l'air, tout le monde debout. Et nous faisons le 36-15 bonheur ensemble, on y va. Alors moi, c'est Anthony, je bois le mal partout. Même quand il fait soleil, je vis l'hiver au Moscou. La vie, c'est un bourbier, pas un enfleuve tranquille. Je passe ma vie à surfer sur des tsunamis. Bien sûr, je suis poli quand on me dit bonjour. Je baillonne mes larmes avec mon plus beau sourire. C'est catastrophique, ça pue la merde. Donc soyez indulgents, comme je dis tous les soirs. Je vais essayer de me donner, je vais tout donner pour essayer de faire un couple extraordinaire avec ces belles. Larynx, ouais, Xylophone et Poulpe. Et comme d'habitude, bien sûr, je crois que mes amis, ils ont pris le téléphone tous. Ils attendent que je me manque, ils sont en train de me filmer. Mais je vais relever le défi. Pour vous, ce soir, je vais essayer de tout donner. Ok. Camille, Ousni, vous m'avez préparé quoi comme instru? Vous êtes encore pire. Sur quoi je dois rapper? Vas-y. Au début des années 80, je parle en freestyle ici. Regarde un peu comment je vois le public de Zach en train de sourire. Avec le côté Diego aussi. Dédicacé à ceux qui comprennent que mes frères ce sont mes sosies. Sauf que lui il a des cheveux. Regarde un peu comment j'essaie toujours de mettre le feu. Le groupe qui chantait ce soir on met le feu. Il s'appelle IRM. Regarde un peu comment je les aime. Parce que c'est eux, depuis l'époque du film Seven, que je commence à rapper. Dédicacé à ceux qui essaient de me tacler. C'est son bras barbe toujours en train de montrer qu'il est en train d'improviser. Pendant qu'ils sont tous en train de me filmer et en train de rire. Dédicacé à ceux qui essaient de construire une vie meilleure pour essayer de trouver un gros bonheur. Son bras toujours en train de te montrer que franchement il fait chaud, y'a de la grosse chaleur. Mais t'inquiète pas, je continue à être historique comme un sphinx. Même si je vais me casser le larynx. Dédicacé à ceux qui comprennent bien son bambara et toujours avec mon petit chat le sphinx. Y'a que les frangins qui veulent comprendre. Regarde un peu comment je vais essayer de me détendre pour trouver des rimes avec mes mots qui suivent. Dédicacé à ceux qui continuent à se délivrer comme moi. Ma tête commence à s'embrouiller. Mais t'inquiète pas, je vais continuer à chanter. Même si franchement ma voix ce soir était un peu aphone. Mais je vais essayer de siffler comme j'étais avec un xylophone. Essayer de faire un peu de flûte. Dédicacé à ceux qui comprennent que je continue la lutte. Même si franchement sa femme va toujours en train de te montrer comment il mute sa voix. Mais là, regarde un peu comment je renvoie ma voix. Parce que les gens lèvent les bras, sont en train de crier. Et qui sont prends baba, continue à enchaîner le défi. Regarde un peu comment je continue avec un flow qui dévie. Qui essaie d'éviter le mot qui arrive après. Mais t'inquiète pas, je vais continuer à chanter. À lâcher quelques freestyles qui continuent à montrer un rime en houpe. Je sais pas, la roue la houpe. Son prends baba toujours en train de te bouffer comme si tu étais un poulpe. Regarde un peu comment je fous n'importe quoi.
ils m'ont mis des mots sur le freestyle. On a entendu Xylophone, le poulpe. Franchement, ils étaient chauds. Ça va, mais très bien, ça va. Ils ont relevé le défi. Hé, faites du bruit pour Soprano. Oh, c'est mon petit Sopa. Maintenant que j'ai mon statut intermittent du spectacle 7h, je me suis pris des stagiaires intermittents aussi. S'il vous plaît, faites du bruit pour les stagiaires. C'était pas prévu ça. Magnifique. Bon, c'est quoi le premier step? Le point levé comme un Ben Caron vise la lune. Jeunes danseurs, vous savez, ils sont là depuis toute l'après-midi. Je les ai vus répéter juste un seul pas de danse, tellement ils ont des difficultés. Donc il va falloir faire du bruit, parce que ce sont des débutants. Ils commencent. À ma droite, nous avons Gaël. À ma droite encore, nous avons Chanel. Nous avons Louis. Et nous avons notre coach adoré, Monsieur Chris. Au plus bel à vous, au plus bel à vous. Donc s'il vous plaît, veuillez faire du bruit pour les danseurs. C'est maintenant que j'allais faire ça. Veuillez faire du bruit pour mes deux frangins. Vous portez leur nom. Zach et Jenna. Maintenant, j'aimerais vous dire un mot venu du cœur pour vous ce soir, les deux côtés. Ce soir vous étiez magique. Ce soir vous étiez beautiful. Ce soir vous étiez extraordinaire. Ce soir vous étiez souriant. Si on vous parle, si on vous touche, si on vous croit. C'est le plus important pour nous, merci beaucoup. En espérant que vous avez
kiffé, que vous vous êtes lâché, que vous avez oublié pendant un moment les problèmes du quotidien. Tout simplement, on vous lâche. On en a besoin à ce moment. Merci le côté Diego, vous étiez extraordinaire. Merci le côté Zach, vous étiez extraordinaire. On se retrouve bientôt pour un prochain album. Pour ceux qu'on voit demain, à demain. Merci beaucoup et à très bientôt, Poitiers.